planeur à réaction, c'était vraiment magnifique. Bah, c'est le monsieur en combinaison bleue là, qui est à côté de moi, qui volait dedans. Et François et Boulette de Lille, je crois que ça va aussi par François. Chanel Tango, de nouveau, des nouveaux. Avec ce qu'on peut à l'époque, savoir que les Américains, les Anglais, les Russes, les Allemands, eux, font des progrès au niveau de l'aviation parce que il faut dire qu'il y a des choses qui s'échangent, mais les Français, eux, sont un petit peu dans leur coin.